Bonjour, là aujourd'hui je suis à Paris avec mes collègues du groupe de coopération métropolitaine et nous avons été reçus pendant une heure à l'Élysée à la demande du président de la République par le directeur de cabinet et une responsable de l'Élysée. Nous avons posé le problème de gouvernance qui se pose à la métropole de Montpellier, la crise de gouvernance, le fait que les communes sont méprisées, rejetées des organismes techniques. Et nous avons eu l'écoute pendant une heure de l'Élysée qui nous a dit nous soutenir dans notre démarche pour créer un climat de confiance indispensable au territoire. Donc nous sommes fiers de cette reconnaissance des communes et nous allons donc poursuivre notre action dans ce sens. Nous ne nous sommes pas contentés d'ailleurs de critiquer la gouvernance actuelle de la métropole de Montpellier. Nous avons également posé les problèmes nécessaires au territoire de Montpellier, et notamment les gros dossiers qui aujourd'hui bloquent l'avenir de Montpellier. Et je pense que nous avons fait ainsi œuvre utile pour notre territoire, puisque Montpellier est aujourd'hui dans une situation particulière, puisque au sein de la région Occitanie, on voit toute une série de dossiers nous échapper, et il était indispensable que Montpellier trouve sa place dans l'équilibre général. Donc voilà, je pense que cette présence est importante, et c'est comme ça que nous concevons notre groupe, un groupe utile à l'intérêt général, et nous continuerons à agir dans ce sens. Et je pense que cette réception à l'Élysée aujourd'hui signifie que notre démarche est positive. Et voilà, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres, j'étais là au titre de maire de Grabel, mandaté par mon conseil municipal unanime, et je trouve que c'est important que nous puissions ainsi défendre l'intérêt général de nos populations.